I I'm not gonna call them feminists, because they're not feminists. They're just fucking man haters, alright? <laughs> and they are sex. They're angry at men. Do you know why? Do you know why? Because they've dated arseholes. They've dated arseholes. They've, been sh they've gone to a club, and they've picked the biggest prick in the joint. They've ignored someone like me, who isn't.

ou qui osent pointer du doigt les incohérences dans le féminisme, par exemple. Mais la vraie définition d'un incel, c'est un homme comme ça. Et c'est la réalité d'énormément d'hommes, même pas forcément des gens qui sont gros, etc. Mais on va parler de ce cas précis. Le truc, c'est que ça sonne triste, et on sait que les femmes n'ont pas la moindre idée du niveau de solitude des hommes moyens, qui traversent un désert affectif, sur absolument toute forme de réseau puisque déjà sur les réseaux la plupart des hommes ne reçoivent absolument aucun message, aucune forme de validation, aucun like, rien du tout et que même quand ils vont sur les applications de rencontre, 5% des hommes sont likés, 95% des hommes ne reçoivent pas de like de la part des femmes. Donc le marché sexuel en quelque sorte, il est très polarisé pour les hommes. Une petite minorité a absolument tout. Le truc c'est que j'ai envie de me faire l'avocat du diable et te dire oui, c'est vrai que c'est triste. Et on peut se dire la vie est cruelle. Mais est-ce que ce ne serait pas l'inverse Puisque tu es gentil, mais il y a des hommes qui sont très beaux, très charismatiques, qui font des efforts dans leur vie de tous les jours pour aller à la salle de sport, bien manger avec discipline, manger la même chose encore et encore, ou faire en sorte que ce soit meilleur, mais se forcer à manger des choses bonnes pour leur santé, et donc faire des, des efforts. Est-ce que ça ne serait pas cruel si ces hommes-là n'étaient pas récompensés et que toi, tu étais récompensé à la même hauteur que les gens qui font des efforts dans leur vie. Parce que si tout le monde est récompensé, plus personne n'est récompensé. Et donc, qu -ce que la, la vie, elle ne fait pas ça. La vie, au contraire, elle est très juste. Dans ce sens-là, en tout cas. C'est qu'elle récompense les hommes qui font des efforts. Alors, il y a, des, y a des, de la cohérence biologique. Les femmes, elles se mettent avec des hommes qui leur mettent le plus de chances de survie. Biologiquement, encore une fois, maintenant les femmes n'ont plus besoin des hommes pour survivre, mais c'est pour ça qu'elles s'intéressent à des hommes musclés, à des hommes grands, à des hommes charismatiques, à des hommes de pouvoir, etc., parce qu'ils leur montrent plus de capacité de survie. Donc c'est logique que la femme veuille être avec un homme qui n'est pas comme toi. Et gentil, ça n'est pas un argument. Et ça peut sonner triste, mais la réalité, c'est que tu n'as que deux choix dans la vie, de manière générale. Accepter les conséquences et prendre la décision de faire les bonnes choses ou ne pas accepter les conséquences et continuer à subir la situation toute ta vie. Il n'y a que les femmes qui peuvent vivre dans un monde où si je ne vais pas aujourd'hui travailler, c'est parce que Mercure n'est pas aligné avec Saturne. Les hommes, ils ne vivent pas cette vie-là parce qu'ils n'ont absolument traversent un désert dans tous les domaines de leur vie s'ils ne prennent pas la décision d'affronter les situations difficiles. La plupart des hommes ont sûrement connu cette situation pour ceux qui ont arrêté l'école très tôt. Quand tu quittes l'école en tant qu'homme et que tu rentres dans un taf de merde sans diplôme ou quelque chose comme ça, à l'usine par exemple, c'est le désert. Genre, tu ne vois même plus de femmes de tes yeux, tu vois. Tu n'en vois plus aucune. Une fois que tu es sorti du lycée, tu n'en vois plus aucune. C'est comme si elles n'existaient plus. Et évidemment, c'est comme si tu n'existais plus pour elles. Parce que pendant ce temps, il y a d'autres hommes qui font les efforts et qui font des jobs intéressants ou qui ont une vie intéressante ou qui apportent de la valeur ou qui sont plus beaux, plus charismatiques, etc. et qui ont beaucoup plus de résultats. Alors, il y a des hommes qui sont à l'usine et qui ont des gros résultats. Tu vas me dire Oui, mais est-ce qu'ils ressemblent à lui Non. Donc la réalité c'est quoi c'est est-ce que j'accepte les conséquences de mon comportement de merde et je passe à l'action et ça semble cruel. Mais la réalité c'est que c'est beaucoup plus logique dans ce sens-là, c'est beaucoup plus logique que de récompenser les hommes qui font les efforts. Et donc toi dans ta vie, peu importe où tu en es actuellement, tu peux glow up en fait. Tu peux parce que glow up ça veut dire quoi Ça veut dire briller au-dessus, c'est-à-dire briller plus haut. Glow up, tu vois, augmenter ton niveau de brillance. C'est ça la traduction. Donc L'idée c'est que n'y a aucun palier dans ta vie où tu as atteint le maximum parce qu'il y a toujours tellement de pans dans ta vie, tu vois. Elon Musk c'est l'homme le plus riche du monde et il est extrêmement intelligent mais parce qu'il a mis autant d'énergie dans cette direction, il ne peut pas être physiquement en forme, tu vois. Et donc tu ne peux pas être parfait dans tous les domaines, c'est impossible. Et quand, comme tu n'es pas parfait, tu peux évoluer, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que peu importe ce que tu regardes dans ta vie là maintenant, ça peut être mieux si tu prends les décisions d'accepter la situation, d'accepter les conséquences de serrer les dents et de te dire aujourd'hui c'est dur mais si je prends les bonnes décisions que j'accepte encore plus de difficultés, que je me dis OK, j'accepte que c'est dur. Pour une fois dans ma vie, je vais pas fuir la difficulté. Je vais pas me dire ah le feu ça brûle, j'ai peur, je me recule du feu. Je vais dire OK, je vais le traverser, je vais courir, je vais aller tout droit, j'accepte que c'est dur. J'accepte que j'ai pas du tout envie d'aller au sport. OK, j'ai accepté ça. Maintenant qu'est-ce qu'on fait J'y vais quand même où j'y vais pas et je deviens de plus en plus gros. Et du coup, c'est de plus en plus difficile d'aller au sport. Mais j'ai quand même besoin d'y aller. Mais comme je fuis mes problèmes, ça va devenir de pire en pire, de pire en pire. Et ça détruit ma qualité de vie personnelle, ma santé, mon énergie, ma, ma, ma capacité à séduire des femmes. Et qui est très importante pour ma santé mentale. Ce n'est pas séduire des femmes juste pour baiser. C'est quand tu es dans la solitude, tu es dans une profonde dépression en tant qu'homme. Et énormément d'hommes connaissent cette vie-là. Et c'est pour ça que les femmes se moquent des hommes qui... Qui encourage les autres hommes à, à, à devenir meilleurs et te traite d'insel parce qu'elles ne traverseront jamais ce désert que les hommes peuvent connaître quand ils ont pris en réalité les mauvaises décisions dans leur vie et qu'ils ont été obligés d'en assumer les conséquences. La femme ne connaît pas de conséquences dans le monde moderne. Une femme, elle peut te tromper et te gifler quand même, tu vois, et il ne va rien se passer dans sa vie. Donc imagine à quel point elle n'a absolument aucune connaissance du coup de l'impact des conséquences. Et on sait que l'être humain est comme ça. L'être humain, si tu lui donnes ça, il prend tout. Tu vois? Donc, l'être humain, même un homme, s'il n'avait subi absolument aucune connaissance, euh, co conséquence, pardon, il pourrait devenir détestable parce qu'il n'en a jamais subi. C'est pour ça que les gens détestent par exemple les, go les gosses de riches de manière clichée. C'est parce que tu te dis, oh, il n'a rien mérité. Et si en plus il est arrogant, tu te dis, il est arrogant alors qu'il a traversé aucune souffrance, c'est injuste, moi j'ai souffert et en plus j'ai rien. Tu vois? Et du coup, tu rages un peu sur lui. Mais c'est parce que tu sais que le mec, il est hyper arrogant et il l'est de plus en plus parce qu'il n'a jamais subi de conséquences. C'est la raison pour laquelle ce type de personnes, pas les gosses de riches en général, mais les gosses de riches arrogants et détestables, ils sont vraiment détestés parce qu'ils n'ont pas subi de, con de conséquences. Donc c'est un peu normal qu'ils aillent dans cette direction. Et c'est là où c'est le travail des parents, que de bien les éduquer. Mais on sait que si tu rends un enfant pourri gâté, il va devenir pourri gâté. Si tu lui donnes tout, qu'il ne traverse pas de refus, qu'il ne se fait pas taper sur les doigts, il va devenir insupportable. Et les femmes, elles vivent dans ce monde. Donc c'est très dur en réalité pour une femme, et, et c'est pour ça que je considère qu'il faut récompenser celles qui font l'effort d'accepter leur féminité et de faire de, du travail pour ne pas devenir une femme féministe détestable, moderne, comme tout le monde nous, nous, nous pousse dans cette direction, à travers, jusque dans les films, tu regardes Netflix, etc. L'agenda LGBT, féministe, c'est insupportable, il n'y a pas un putain de film. D'ailleurs, c'est pour ça que je regarde absolument aucun film, d'ailleurs. Et tout le monde le sait dans mon entourage, les gens ils me conseillent des films et ça, je ne regarderai pas de film, d'accord Le dernier film que j'ai regardé c'était Interstellar en 2021 et c'était la troisième fois que je le regardais depuis je ne regarde pas de film. Je pense que tu dois accepter et traverser le feu en tant qu'homme. Et si on parle de séduction, l'avantage encore une fois c'est qu'à travers la polarisation comme personne ne le fait, et eh ben la séduction c'est pas si difficile et ça te fait te sentir bien. T'as pas envie d'avoir 15 meufs, en réalité ça c'est un peu une illusion te le dire pour l'avoir fait, quand tu as des périodes où tu as plein de femmes qui sont amoureuses de toi mais, et qui savent que tu as d'autres femmes et qui sont quand même amoureuses de toi parce qu'elles savent que tu es l'homme de plus haute valeur qu'elles pourraient rencontrer dans leur vie mathématiquement, eh bah bien tu te sens bien, c'est cool, mais c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est pas spécialement du temps très bien investi, donc tu te sens pas spécialement... Genre tu te sens bien, tu es content, tu sais que tu peux le faire, c'est cool, tu as vécu ce moment-là dans ta vie, cette situation, mais en vrai, le plus important, ça reste tes objectifs et qui tu deviens. Mais savoir que tu peux le faire c'est très important, je pense, pour un homme. Et même ressentir de la validation et, et ne plus être dans ce désert affectif, c'est hyper important. Je l'ai dit, moi, sur YouTube, j'ai un autre très gros truc en préparation, mais qui va prendre certainement beaucoup de temps parce que ça va vraiment retourner euh, probablement le YouTube game. Mais d'ici là, j'ai dit que je ne ferai que deux produits pour vous aider. Le premier produit, c'est un, un livre sur la séduction, un e-book que j'ai sorti euh, qui est dans la description, parce que vous avez été énormément à me poser cette question, comment je séduis et tout. J'ai fait un truc de A à Z, pour moi le plus complet possible. Avec biologiquement pourquoi les femmes sont séduites comme ça, psychologiquement quoi faire en termes d'élégance, quels sont les vêtements à porter, pourquoi quelle attitude, la psychologie, la psychologie, la programmation neuro linguistique, l'impact de ton attitude sur les femmes, comment les séduire et comment faire en sorte qu'elles soient heureuses d'être soumises à toi, etc. Donc j'ai fait un ebook là-dessus que tu peux trouver dans la description. Et la deuxième chose, tu sais, c'est pour le business et pour l'argent. Selon moi, c'est les deux métriques les plus importantes parce que pour le sport, je dirais pas que je suis le plus qualifié, euh, même si évidemment j'ai des, mais je prends des coachs et je travaille avec des gens qui sont plus qualifié que moi là-dessus. Pour le coup, pour le business, je n'ai jamais vu humblement, hein, même si c'est pas humble, jamais vu quelqu'un d'aussi qualifié que moi sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire. Et après avoir regardé pendant des années. Et pour la séduction, c'est pareil. Bon, il y a certainement des gens très qualifiés, mais il y a beaucoup de choses qui manquaient. C'était pas bien expliqué. Du coup, j'ai fait un truc très 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 complet. Selon moi, un truc chez l'homme qui est très important, c'est de ne pas sous-estimer sa capacité de glow up. Parce que ce mec-là, là, ce gros sac. Il va à la salle, il arrête de passer sa journée devant les jeux vidéo. Et oui, mais ah, j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de manger des McDo devant la console. Tu as le droit d'avoir envie de le faire. Mais est-ce que tu acceptes les conséquences ou est-ce que tu les subis de toute manière sans les accepter Dans les deux cas, tu peux fuir, mais tu ne peux pas fuir les conséquences parce que les conséquences elles sont sur toi à l'intérieur de toi, tu vois. Tu ne peux pas les fuir. Donc, tu as le droit de faire de la merde avec ta vie. Mais si tu le refusais et que tu disais, je veux mieux avec ma vie, et ça me fait tellement mal d'avoir des, des résultats de merde, que je vais prendre des décisions d'accepter l'inconfort. Et d'arrêter de fuir l'inconfort, mais de l'accepter. Il perd du poids, il va à la salle, il apprend à avoir une bonne éloquence, il apprend à arrêter de devenir un bébé qui pleure sur son sort et à prendre les choses en main dans la vie. Il apprend à vivre une vie d'aventure qui kiffe, qui l'épanouit à travers d'autres choses parce que l'être humain, il peut s'épanouir dans d'autres choses. Si tu crois qu'il n'y a que les jeux vidéo, les chips et les films qui t'intéressent, tu vas être très surpris de la vie extérieure. La vie de dehors, elle est très épanouissante aussi. Il faut juste trouver, tester des trucs. Faire du mouvement. J'apprends aussi comment devenir un homme épanoui dans l'ebook. Euh, mais ça, c'est très, très, très important pour ton bien-être personnel. Ton glow-up, il est phénoménal quand tu fais ça. Il est vraiment phénoménal. Genre, ça se voit sur ton visage. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit quand une femme, elle brille. Imagine-toi une femme qui brille, qui a une énergie solaire. Ça la rend plus belle, mais c'est autour d'elle. Tu vois, c'est vraiment la sensation qu'on a. Si on emploie ce mot, c'est parce que c'est ça que tu ressens. Tu as l'impression d'avoir un soleil devant toi, la meuf, elle brille, tu vois. Pour ça qu'on utilise le terme de glow up, de briller, tu vois. Parce que c'est la sensation que ça te fait. Et ça, ça a un gros impact sur la manière dont les gens te voient. Les hommes, même si tu es un homme, les hommes pour faire des partenariats, faire du business, même parler avec eux, même apprendre de leurs expériences, connecter avec des gens. Si tu glow, si tu brilles, ça aide. Et si pour une fois, tu acceptes la responsabilité, tout change. C'est un nouveau monde qui s'ouvre. Un monde pas cruel, justement un monde très 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 intéressant, où tu as toutes les récompenses qui sont accordées aux hommes qui font les efforts dans la vie. Et là, c'est vraiment magnifique. Tu arrives dans un terrain d'abondance où tout prend une saveur complètement différente. Parce que pour les hommes, tu es plus respectable, pour les femmes, tu es plus respectable, et tu vas voir que quand les gens t'accordent du respect, la vie est beaucoup plus facile, et quand tu te respectes toi-même, la vie prend une toute autre saveur. Et tu un potentiel de croissance qui est exceptionnel, et tu peux devenir beau physiquement, genre, carrément... Changer ta structure faciale, modifier ce à quoi tu ressembles de par comment tu te sens et ce que tu montres au monde à travers le fait de faire du sport, de prendre soin de ta peau si tu as une peau de merde, de choisir une coupe qui te va, de mettre des vêtements qui te font te sentir bien. Pas parce que c'est un survêtement, tu te sens bien, machin, mais parce que tu te sens bien, parce que tu te sens charismatique. Genre, accepte, je m'en fous, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Essaye de le faire, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu jamais porté. Alors, si tu mets un costume de merde et que tu as une shape de merde, ça ne va pas avoir le même effet. Mais si tu as une bonne shape physique et que tu mets un costume, tu vas voir comment les gens te regardent dans la rue, bro. De 17 ans jusqu'à. Même les enfants de 2 ans jusqu'à 90 ans, tout le monde te regarde, hommes et femmes. Des couples de quarantenaires qui se tiennent la main dans la rue, les deux, ils te regardent. Pas forcément parce qu'ils veulent coucher avec toi, mais parce que tu attires les regards, parce que. Comment tu te tiens aussi tu vas voir à quel point ça te fait bomber le torse de porter un costume. Mais le plus important, pour embellir un costume, c'est d'être toi-même musclé ou en bonne forme physique. Ça, ça a un énorme impact. C'est pour ça que tout le monde parle du sport. Ça affine ton visage, t'es plus beau aussi. Mais en plus, confiance en soi, charisme et énergie et glow et le fait de briller, énorme impact sur ta vie, ne sous-estime absolument pas ça. Et aussi devenir un homme intelligent. C'est pour ça que dans cet e-book, j'ai parlé de la psychologie, de la physiologie, de l'aspect scientifique de la séduction, de quel est l'impact profond des phéromones, des parfums, d'avoir des parfums rares et de comment se procurer des parfums rares et de comment trouver les parfums. Je t'ai dit, j'ai mis absolument tout ce qui te permet d'être un homme confiant, charismatique et sexy. Être sexy, c'est très important. Pas pour le terme seulement sexuel, mais pour le terme de l'attraction. Tu vois, de, de, la, fascinax, de la fascination qu'on a pour quelque chose de sexy ou pour quelqu'un de sexy. Et l'avantage, c'est que c'est très très rare dans la rue. C'est pour ça qu'ils se retrouvent tous au même endroit. Dans les 5 étoiles, il n'y a pas que des hommes sexy, mais il y a les hommes les plus sexy. Et il y a par contre les femmes quasiment toutes sont extrêmement sexy. Bizarrement, là où tu as de l'argent, comme la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Hein. C'est un gros sac qui joue aux jeux vidéo. Il y a de grandes chances que dans ta vie de manière générale, tu vois, quand tu bouffes, alors que tu sais que tu ne devrais pas bouffer, mais je bouffe quand même tu es en train de te manquer de respect constamment plusieurs fois par jour. Et de te dire à toi-même, je sais que je ne devrais pas le faire, mais je le fais quand même. Donc c'est difficile de construire une discipline parce que tu as construit de l'indiscipline. À l'inverse, que je disais par rapport aux hôtels 5 étoiles ou à la richesse de manière générale, si tu as fait tout ce qu'il fallait pour devenir un homme riche financièrement, il est probable, en tout cas plus probable, que tu aies pris d'autres bonnes décisions dans le reste de ta vie, puisque tu as dû, pour en arriver là, dans la majorité des cas, traverser l'inconfort, faire des choix. Apprendre, t'entourer de personnes, euh, voyager, prendre des décisions fortes, assumer tes choix à 100%, tu vois, devenir toi-même un, un bon vendeur, un bon entrepreneur, un bon communicant, un bon psychologue pour le, le, la relation avec tes clients et tes employés, etc. Enfin bref, tu as dû te développer. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, je pense, de considérer que chacune des choses que tu fais, chaque micro-décision, t'amène dans une direction. Et il y a des shortcuts, euh, des raccourcis. Ce raccourci, selon moi, c'est. Travailler son sport pour son physique, travailler sa psychologie, s'entourer de personnes similaires à toi et le faire avec répétition tous les jours, accepter la douleur comme un allié et traverser pour aller tout droit en direction de qui tu veux devenir et la croissance est phénoménale.